Bonjour, 7h du matin, 41e jour sur le chemin vers Compostelle. Je quitte le petit village d'Atapuerca pour une petite étape aujourd'hui parce que je vais m'arrêter à Burgos pour avoir le temps de visiter la cathédrale, parce qu'il paraît que c'est une super cathédrale, de visiter un peu la ville et je vais même dormir à Burgos. Là, j'aurai aussi un petit aperçu de la vie nocturne espagnole dans les grandes villes. Bon, je me coucherai pas tard, hein. Mais voilà, c'est pour aussi avoir un petit peu un aperçu de ça. De la brume s'est couvert ce matin, mais ça va se découvrir dans les heures qui viennent. Il n'y a pas de pluie de prévu et il fera beau aujourd'hui normalement. Allez, à tout à l'heure. Un troupeau parfait avec le mouton noir au milieu. C'est brumeux et il fait frais ce matin, à peine 11-12 degrés. Et rien de tel qu'une petite montée pour se réchauffer. Ah, faut que je mette la capuche parce que il y a du vent et il fait un peu froid quand même. Hein. Là il doit à peine faire 10 degrés. C'est frais quand même. Allez, ça va se réchauffer dans la journée. Bah oui, il m'a échappé les mains. Ça arrive. Je pense que j'arrive en haut. Et que maintenant ça va redescendre jusqu'à Burgos. Ce matin, Cardinuela Rio Pico. Bon, ça y est, j'arrive dans les faubourgs, on va dire, de Burgos. Bien qu'encore 9 km je crois. J'ai vu qu'il y avait une variante qui passe le long d'un rio qui est un peu qui évite de passer dans des zones industrielles et je pense que c'est ça que je vais prendre. Voilà, donc j'ai trouvé l'alternative. Alors elle n'est pas fléchée, mais avec l'application on voit bien le chemin et c'est pas très très compliqué. Ça évite de traverser les zones industrielles. Je me retrouve plutôt à travers champs, ce qui est déjà mieux. Et encore un champ de blé avec plein de coquelicots dedans. Bon, je traverse pas les zones industrielles, mais je longe l'aéroport pour l'instant. C'est sans doute mieux, c'est un peu plus quand même dans les champs. Et bien voilà, j'ai fini de longer l'aéroport. Et je me retrouve maintenant le long d'une rivière. Donc ça passe par le sud, on arrive par le sud de Burgos avec cette variante. Et je pense que ça va être nettement mieux que de passer à travers
les zones industrielles, même si les deux petits villages qui sont devenus de zones industrielles, c'est le Camino historique, disons. Mais bon, ça a bien changé depuis, alors. On peut se permettre une petite variante. Non seulement j'évite la zone industrielle, mais en plus, je trouve un endroit idéal pour faire, pour prendre mon petit déjeuner. J'ai pas encore pris de petit déjeuner depuis ce matin. Hein, ça fait 3 heures que je marche, il est 10 heures. Donc c'est temps de casser la croûte et l'endroit s'y prête à merveille. C'est ma foi bien agréable cette arrivée à Burgos en passant dans le parc là. Oh, un écureuil. Rapide que moi. Bien, ça y est, me voilà arrivé au bout du parc. Et je suis près du centre-ville, donc je vais aller affronter la jungle urbaine. Je vais passer la nuit ici, donc c'est la première fois que je passe la nuit dans une grande ville. Depuis bien longtemps. On peut rentrer dans l'énorme porte sous laquelle je viens de passer, donc j'y vais. Cathédrale de Burgos.